you ever felt. Are you listening? Damn. Coucou les filles, bah écoutez, je vous reviens avec un nouveau tuto un peu particulier parce que j'ai osé aujourd'hui quelque chose qui est totalement... vous ne me verrez plus jamais avec ce genre de choses. Mais vu que je voulais le tester, vu que ça vient d'AliExpress et c'est une nouveauté, mais vu que je boycotte la marque, la vraie, sur AliExpress, étant donné que c'est des contrefaçons, je me suis dit je vais me le prendre quand même histoire de tester le truc, tu vois. Donc j'ai peine à retirer ma main, honnêtement, parce que c'est vraiment quelque chose de très choquant. Mais je peux pas définitivement rester comme ça tout le long de l'introduction de la vidéo. Donc, tada ! Et oui, aujourd'hui j'ai voulu tester. Donc on m'avait demandé un make-up avec la Celestial de Sleek, donc la 445. Et en fait, pour aller avec, étant donné que je voulais utiliser du bleu, ben, j'ai aussi utilisé un rouge à lèvres bleu de chez Lime Crime. Donc je boycotte la marque, la vraie, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont fait que eh bien, je voulais pas acheter la vraie marque. Mais je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse, parce que je regarde beaucoup de vidéos américaines. Et donc, il y a eu pas mal de controverses par rapport à cette marque. Peu importe, il y a eu Gérard Cosmetics aussi qui a fait, ça a fait du bruit quoi. Donc si vous voulez que je vous parle un petit peu de toutes ces controverses là, mais en version française, n'hésitez pas à me le demander. Donc là, c'est le rouge à lèvres liquide mat en teinte peacock, voilà, de chez AliExpress, tout simplement. Et puisque c'est censé être une contrefaçon et en plus moins cher, je me suis dit, allez, testons. Soyons fous. Et donc voilà, aujourd'hui, je vous propose ce make-up. Donc réalisé avec les teintes de la Celestial. Par contre, les noms, je les ai pas. Donc vous verrez juste, je vous mettrai, je peux pas vous donner les noms en commentaire. Parce que je les ai achetés d'occasion et donc je les ai pas. Mais elle est très très belle. Il y avait d'autres possibilités aussi de combos. Mais moi, j'ai choisi donc le bleu intense. J'ai choisi donc le bleu clair. Le gris, donc le gris, le bleu clair, le bleu foncé, et j'ai pris ce superbe violet, voilà. Et donc je suis ravie de ce maquillage, honnêtement ça change, je trouve que c'est graphique, donc ça ne plaira pas à tout le monde. Visiblement vous êtes nombreuses à ne pas apprécier les make-up graphiques, mais en même temps je peux pas passer ma vie sur ma chaîne à vous mettre du nude, hein, ça c'est clair et net, parce qu'à un moment vous allez vous barrer. Parce que, à force de ne pas avoir quelque chose de renouvelé, de voir tout le temps la même chose, mais avec différentes palettes, je pense que vous n'en aurez plus rien à l'affiche du nude. Donc voilà, j'ose. Et comme je vous dis toujours avec le maquillage, il faut jouer. C'est le but quand même du maquillage. Quand on est enfant, voilà, on a des palettes pour enfants, mais on joue avec. Donc là, pourquoi pas jouer avec quand même. C'est un des seuls milieux artistiques où quand on se maquille, la seule personne qui est à la limite apte à te juger, c'est toi-même, voire celui qui est capable de faire mieux que toi. Donc après, voilà. Donc les critiques, en fait, voilà quoi, peu importe. Ça plaît pas, mais ça reste quand même réalisable. Je pars du principe où moi je vais sortir avec, hein, comme ça. Bon alors le rouge à lèvres, un peu moins. Ben, je vais aller voir ma belle-mère, comme ça. Et on va voir ce qu'elle va dire. Elle va me regarder, genre, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? J'ai envie de dire t'as embrassé un schtroumpf, mais non. Donc elle va me regarder, elle va peut-être pas oser me demander ce qui s'est passé dans la bataille. Et donc c'est ça qui va être drôle, je pense que voilà, ça fait des belles découvertes quand même à faire, à tester. Une fois que tu les as testées, c'est bon, je pense que tu peux passer ton chemin. Alors par contre, je sais pas pourquoi, je trouve ça joli quand même. Je sais pas vous, mais je trouve ça beau, moi. J'ai des goûts de merde en même temps, des fois, donc bon. Non, je trouve ça joli. Je sais pas. Donc voilà, vous penserez ce que vous en penserez. C'est pas la peine de mettre des commentaires désobligeants, je le sais déjà. Je pars du principe où je m'amuse, donc après, si vous comprenez pas ça, bah, difficile de vous dire autre chose, puisque oui, on peut ne pas sortir avec, mais pour une soirée, vous oubliez le rouge à lèvres à la limite, pour une soirée, c'est quand même portable, quoi. Donc bon, je trouve ça joli. Après, libre à vous de penser ce que vous en voulez.
Je vais pas passer ma vie à m'excuser de faire des trucs de ouf sur ma chaîne, parce que bon, vous savez que je suis dingue déjà, donc pas besoin de le dire. Et puis c'est tout, je vous laisse en compagnie du Toto. De Toto? Oui, j'espère qu'il vous plaira. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous mes chéris, je vous aime d'amour, ciao! Listen to the midnight radio. Listen to the midnight radio. This town.
Are you listening?